c'est Jacqueline Bélisère. Yon plaisir. Yon l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter yon programme en langue créole haïtien. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, Israël continue à mener attaque ni sous Gaza ni sous groupe Hezbollah dans Liban pendant la Russie mandé pays dans région Moyen-Orient rete loin conflit Israël Hamas ak Iran. États-Unis ancien président républicain Donald Trump retourne jodi a dans tribunal dans cadre yon procès criminel konya yon dans phase formation yon jury. Haïti suspend sa ap continuer sous installation conseil présidentiel transition malgré deux arrêtés qui paraît dans journal officiel pays a le moniteur. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment. Actualité. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo La Voix de l'Amérique, ça que nous portons pour aujourd'hui. Déjà, Abdou, bienvenue une autre fois encore sur channel là pour nouveau vidéo. Si là parmi quelques dans l'autre grand programme de l'actualité que nous portons pour après La Voix de l'Amérique là, et bien, il faut qu'on ait programme Biden là, et bien, il y a une option qui bon pour en pile pour haïtien et qui bon tout pour pays les États-Unis côté nous allons faire bon rallye sur programme si là l'autre côté n'a pas qu'on ait divers parlementaires américains mandé pour président Joe Biden tout pour camper déportation qui ont déjà commencé à faire là côté ont voyé plusieurs haïtiens tourner dans ville cap haïtien et bien il a gagné un paquet haïtien qui déjà retourné au cap haïtien là et l'autre côté n'a pas qu'on ait compagnie aérienne eux même yo après prendre vol yo sous Haïti et bien dans Miami cap vini là selon diverses compagnies yo même yo publié point ça quand pilote que nous porter pour dans édition journal ça mais avant même nous rentrer dans point ça cap dominer actualité si c'est pour la première fois qu'on tombe sur channel ça pas hésiter abonner avec channel là et toujours activer la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune vidéo que n'a porter pour sur channel ça pas oublier quitter un like tout sur vidéo partager vidéo avec yon ami, yon famille, yon façon pour capable aider nous grandir communauté channel si là et ben nous pas perdre trop de temps n'a quitto avec édition La Voix de l'Amérique là et puis devant n'a venir pour nous porter presse détail yo pour nous ta souhaiter rester juste dans fin vidéo pour pas rater aucune information que n'a gagner pour nous porter pour dans vidéo si là La Voix de l'Amérique n'a tourne et même d'abord dans pays d'Haïti que côté conseil présidentiel de transition d'après nouvelle yo et ben a multiplier démarches dans tête collée avec gouvernement démissionnaire là pour installation qu'a fait dans jour qu'a venir là. Nous allons rejoindre correspondant à Port-au-Prince Yves Manuel. Environ 24 heures après publication arrêté qui nommé membre conseil présidentiel yo, membre organe exécutif ça a multiplié rencontre yo dans l'idée pour préparer installation yo. C'est ça une source nous capable faire confiance fait qu'on est. Pour qu'on gagne date exacte pour cérémonie installation dans palais national, ça ta doit fait dans prochain 3 à 4 jours le temps pour préparatif qui nécessaire yo fait selon sa source l'a souligné. Même sous cela, qui pas de nous citer, fait qu'on est corps diplomatique là, à classe politique là, et même chef gouvernement CARICOM yo a invité dans cérémonie installation. De l'autre côté, nous apprenons tout, même conseil présidentiel là, déjà créé une commission passation pour voir 9 membres qui désignaient bon côté 9 conseillers présidentiels. Conseillers présidentiels yo déjà mis en place 4 sous-commissions pour planifier installation et passation pour voir. C'est sous-commission, protocole, logistique, sécurité et passation dossier. Plus loin, contact nous a révélé que même CPA déjà voyé une correspondance avec 9 secteurs qui impliquaient dans la formation conseil présidentiel là. Côté lié vidéo, désigné à eux même chaque un premier ministrable dans le cadre choix prochain premier ministre là. Ils ont demandé tout, secteur femme, diaspora et la jeunesse pour soumettre eux même tout deux noms. Entité ça yo gagne un délai qui relativement court pour soumettre choix yo. Yon nan pouvoir conseil présidentiel transition an, c'est nomination yon premier ministre qui va remplacer premier ministre démissionnaire Ariel Henry. N'a pas rappelé 12 mars qui s'est passé là, docteur Ariel Henry t'est annoncé démission li dès que conseil présidentiel là installé. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et pendant ce temps, gagné plusieurs organisations sociopolitiques qui souhaitaient que les responsables ont fait un chit attendé. Puis précisément, conseil présidentiel transition fait un chit attendé avec groupe Améo pour faciliter l'installation déroulée sans problème dans le palais national. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Organisation jeune pour développement d'Elma, rassemblement jeune progressiste d'Haïti, unité jeune pour avancement pays et groupement liberté pour ça changer, c'est quelques parmi plusieurs dizaines de structures sociopolitiques proches famille Lavalas qui regroupait tout en bas chapeau Résistance pour Haïti, que professeur Patrice Célestin a dirigé, côté le partager l'idée comme quoi, pour membre conseil présidentiel de transition, t'as cherché à joindre une formule appropriée à présumé bandit Améo pour favoriser l'installation CPA dans le palais national. Monsieur Sayo, pas oublié, même toujours dit, dans moment là, c'est le vent, c'est la pluie, c'est du feu. Ça, ce sont des forces naturelles, nous n'avons pas avec vous. Nous même nous toujours évoqué au niveau Résistance pour Haïti, quelle que soit la formule qui possible. Pour les nouveaux dirigeants joignent, pour rejoindre ici avec eux, nous-mêmes, nous votons.
Ça veut dire, si pour conseil là installé, préalablement, si même conseil, il faut que j'ai un couloir pour chiter avec eux, pour permettre parler à. Ok? Nous jouons une possibilité pour conseil la fête. Quelle fête? C'est pour la bonne cause, c'est pour le bien-être du pays. Bolivar Jean Anderson, coordonnateur général Groupement Liberté pour ça changer, souhaitait conseil présidentiel transition hein, installé week-end ça même pour être capable de répondre à qui ont série défis. D'un coup, question insécurité, question Grégoire, question rentrée des classes, question relouvrie université dans le pays, question accès à action médicaux, question fatra, ça c'est le principe, c'est le principal et priorité pour les populations, hein, vu que toute route nationale nous ou de secondaire tout barré, faut qu'on s'est l'avenir avec une solution qui permet que la population arrive à nos souffles et vacue avec occupation. En tout cas, c'est un dossier qui kembe actualité en Haïti qui n'a pas sûr pour vous. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, c'est plusieurs réactions qui ont sorti sous conseil présidentiel transition. Pour l'autre réaction, quand nous allons rejoindre Fred Kaimit. Moun Port-au-Prince partage qui est sauté sous création nouveau conseil présidentiel transition Haïti. Qui a pour mission choisir un nouveau premier ministre, qui a pour choisir à cli un nouveau cabinet ministériel. Après le journal officiel PIA, Le Moniteur, sauté ont arrêté pour annoncer membres qui fait partie du conseil présidentiel. La population ont espéré que le premier ministre Ariel Henry a démissionné après publication arrêté sous formation conseil présidentiel la vendredi 12 avril passé. Mais le premier ministre Ariel Henry, lui-même, a déjà annoncé dans la date 11 mars 2024 là, l'a démissionné, l'a gagné un nouveau premier ministre avec un nouveau gouvernement. Le gouvernement, comme je dis, a retiré l'école. Immédiatement après l'installation du conseil, ça. Il a continué à expédier affaires courantes jusqu'à ce qu'il ait désigné un premier ministre et un gouvernement. Quelques membres de la population ont exprimé espoir, mais avec précaution, après Le Moniteur a annoncé non membre qui a fait partie du conseil. Là. Parmi les gens, nous venons Oséus Franzi avec Johnny Walk, qui est un professeur à l'école. Le conseil est là, il y a quelques membres de la donne. Et on se bagarre dans les membres du conseil avec sécurité. Nous espérons que le conseil ça et libéral fait mieux, libéral travail pour voir comment il est capable d'établir stabilité dans le pays, mettre sécurité dans le pays, parce que c'est ça la besoin, nous pas besoin pile, c'est stabilité, c'est sécurité pour nous capable vaincre l'occupation nous. Mais nous t'as vivre dans le pays nous, mais instabilité, insécurité qui est là, rend nous la vie dure, ça fait nous survivre dans le pays, mais t'as survivre. D'après accord pour transition pacifique et ordonnée en diverses parties qui te travaillent dans la formation conseil là. Moun ki fait partie conseil là pa ta doué en bas sanction Nations Unies et yo doué d'accord avec déploiement force multinationale là et membre conseil ak membre gouvernement pa capable dans prochaine élection qui gen pour dérouler dans pays d'Haïti. Entre-temps plusieurs membres dans secteur d'affaires haïtien dans une lettre de voyer semaine ça by président Kenya William Ruto te exprimé qu'elle sauté qui gen en retard pour déploiement force que Nations Unies a payé et gouvernement Kenya a promet pour prendre tête mission k'ap gen pour venir aider Haïti faire face à sécurité violence gang armée. Merci Fred et Kaimit. Actualité a mené nous dans Fort Liberté, toujours dans réaction concernant le conseil présidentiel transition. Le coordinateur communal IPAM dans Fort Liberté, M. Francillon, cher enfant, salue arrivé conseil présidentiel transition. Jodelet Junior Saint-Ville, des détails. Dans une interview li baye VOA Creole jeudi 18 avril 2024 là, coordonnateur communal initiative patriote marien IPAM monsieur Francis Locherenfant salier publication arrêté qui nommé conseil présidentiel là. Li di yo te fait proposition ça déjà depuis na Komontana. D'après monsieur Cherenfant, c'est un pas important nan route pour joindre une solution à crise pays a traversé depuis bien longtemps. Depuis longtemps, nous té poussant, c'est ça fait nous té en tant que association organisation nous té dirigé nous vers IPAM pour au moins nous t'y entré dans Montana et nous t'y fait une proposition. D'ailleurs, c'était correct. Et finalement, nous t'y proposé un collège présidentiel. D'ailleurs, nous qui en dans le monde, considère la moitié dans c'est des réserves pour payer. C'est des monde qui pas participé et dans de n'écraser pays, faut dire ça. Coordonnateur communal IPAM nan, monsieur Francis Locherenfant rapoussi pour le dire. Défi captain conseil présidentiel là en pile, mais selon lui-même, conseil là ta doit considérer trois gros priorités ça yo. D'abord, on pas d'accord pour conseil là aller entre tête baissée et en dedans et l'état ça que Ariel déjà détruit, c'est crime à droite, crime à gauche ou crime de sang, crime financier. Tout d'abord, faut une commission qui normalement fait entre mission pour contrôler
finance pays. Il faut qu'on pas qu'il fait, faut tenir compte de situation navire journée aujourd'hui, surtout insécurité quand nous qui prend pays. Et troisième grande décision n'attend, c'est qu'il veut faire élection pour permettre que le président Régis Montand dans pays et n'attend pas une élection inclusive, démocratique et honnête. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Créole. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, autorité immigration américaine voit tourner 52 citoyens haïtiens dans l'aéroport cap-haïtien. En pile dans yo fait connaître à Glonanger yo tourner Haïti. Un reportage Gérard Maxino. Il était zone miti comme ça lorsque premier groupe rapatrié te descend avion ça que autorité américaine yo te frété pour mener au tourner dans l'aéroport international cap-haïtien côté. Plusieurs policiers étaient présents sous piste atterrissage. Coordonnateur régional Office national migration ONM Kevin Augustin fait connaître que ces 52 compatriotes qui tournaient jeudi 18 avril 2024 dans la ville cap-haïtien. Jeudi, États-Unis d'Amérique déporté 52 compatriotes haïtiens dans l'aéroport cap-haïtien. Il y a plusieurs, il y a filles, il y a garçons qui étaient en contravention avec la loi américaine pour des actions diverses. Selon le responsable, ce n'est pas pour la première fois que l'autorité américaine voulait rapatrier tourner dans l'aéroport au Cap-Lan. L'année dernière, au Cap, nous avons reçu près de 20 vols de déportation aux États-Unis. Des gens qui ont été sous la frontière Mexique qui ont fait l'article pour rentrer aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que ça a fait dans l'aéroport cap-haïtien. Plusieurs rapatriés ont fait connaître, ils sont sortis Texas après avoir fini de passer un petit bout de temps dans le pays Mexique. Moi, j'ai fait plusieurs mois que j'ai vécu en Mexique. Après une violation, j'ai quitté le Mexique, j'ai entré aux États-Unis. Quelques temps déportés ont posé peut-être une question qui ça a fait en Haïti, un pays où ils ont quitté quelques mois avant. Comme c'est pays lié, c'est déporté ou déporté, je suis obligé de finir là-dedans. Mais, je suis en Haïti avec Glonanger parce que moi j'ai quitté le pays, c'est parce que moi j'ai subi un paquet de choses. En Haïti, ça fait que j'ai quitté Haïti. Malgré ça, je suis avec quelqu'un qui est bien serré. Je suis en pays de sécurité. Organisation internationale migration OIM, by chaque apatrié, une enveloppe pour capable de tourner la caillou. Gérard Maxino, cap-haïtien pour la FAD d'Amérique. Merci Maxino, ancien président républicain Donald Trump, te paraît jodi encore dans le tribunal dans New York. N'a pas retourné sur ce sujet ça dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer tant que nous t'ai annoncé le nombre dans New York côté que ancien président républicain Donald Trump paraît dans tribunal jodi dans cadre yon procès criminel et yon nan niveau côté que y a formé et jury a. Nous gagne sur place dans New York Valérie Saint-Louis. Donald Trump est arrivé dans tribunal là pour 4e jour pour assister processus sélection jury a qui a continué dans jugement criminel ça que la justice dans New York a mené contre lui. Prosecuteur qui a travaillé sous jugement criminel contre Donald Trump là, demandé pour ancien président payer une amende de $3,000 à cause de 7 messages que l'était posté sur réseau social dit côté que dit que il violait l'ordre babouquet ça que un juge tabali qui empêchait attaquer ou soit intimider témoin yo. Mardi passé à 7 jury a prêté serment pour servir dans panel ça qui pourrait décider sous premier cas criminel contre un ancien président américain. Mais jeudi 18 avril, le processus sélection jury a été fait un petit campé. Les yon dans cette jury qui était gain choisi et qui était prêté ses mains, t'es éliminé après que le avoué tribunal là que le pas croit que le gain capacité pour l'impartial dans le premier cas criminel ça, contre un ancien président. Même jury ça qui éliminé, c'est un infirmière. La justice qui a non jury confidentiel. Mais dame infirmière t'a dit que même membre famille, exam milieu, t'es posé la question sous capacité pour remplir le jury. Révocation jury ça qui était 6 membres toujours sous panel là jusqu'à présent. Dans parmi membres jury, nous joignent un ingénieur logiciel, un professionnel technologie information, un professionnel dans affaires la vente, professeur anglais avec 2 avocats. Après que le terrain voyage jury, juge Juan Merchant te bat journaliste dans le tribunal là, l'ordre pour pas rapporter réponse que candidat pour vinn membre jury au bail, les opposé aux questions sous travail, yo, patron actuel yo, ak ancien employé yo. Toujours manqué 12 autres monde qui t'a doué prêter serment comme membre jury, mais juge l'a dit que le toujours espéré faire déclaration ouverte jugement semaine prochaine aussitôt que yo joigne 12 autres membres. Pendant ce temps, ancien président Donald Trump t'est rencontré hier mercredi dans New York avec président polonais Andrzej Duda qui t'est commencé visiter aux États-Unis à une réunion avec secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Président Duda c'est un gros supporter Ukraine et li encourager Washington pour le bail Kiev plus aide dans mi-temps évasion la Russie qui a continué. Candidat parti républicain te recevoir président polonais Andrzej Duda dans un dîner que t'a organisé pour lui dans Trump Tower. Dans le moment que t'a pouvoir inviter de Mark Lia, Trump t'a fait louange président polonais. Lydie, you know, this gentleman is doing a fantastic job. Nous reconnaître monsieur ça, il fait un coquin travail. Peuple dans pays Pologne remel. Yo réellement remet où et c'est pas un bagage qui facile pour accomplir mais il t'a fait un coquin travail et puis ses amis personnellement. Nous t'ai passé 4 gros années ensemble. Nous cagé pour nous faire ça encore oui. Merci tout le monde.
Thank you very much everybody. Gen quelques observateurs dans pays Pologne qui étaient inquiétés que visite ça caï Donald Trump t'a ka affecté relation pays Pologne avec administration président Joe Biden. De toute façon, Donald Trump a fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Li ka fait face jusqu'à 4 années dans prison si yo arrivé condamné. Même s'il n'est pas clair que le juge a ta choisi mettre derrière barreau qui veut dire dans prison, il est presque certain que Donald Trump pral faire appel contre n'importe condamnation que la justice tabali. Cas criminel ça c'est une cas poursuite criminel que Donald Trump a confronté pendant que la goumen pour l'ouest s'il t'a retourné à Chita sous chaise bourrée dans Maison Blanche. Mais il est possible que c'est pas le seul cas ça qui a bien arrivé dans jugement avant élection présidentielle en novembre prochain. Discussion légale avec appel t'est la cause Rita dans l'autre cas que la justice a retenu contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'après toujours ici aux États-Unis, Sénat a voté pour passer en papier article mise en accusation secrétaire de sécurité territoriale des États-Unis en parlant de Alejandro Mayorkas. Serge Rodriguez, dis-nous plus. Sénat américain a voté pour rejeter article mise en accusation contre secrétaire de sécurité territoriale Alejandro Mayorkas. C'est comme ça qu'il a été clôturé pour ce hier mercredi à côté de accusé Mayorkas d'est-ce qu'il n'a pas bien géré les frontières États-Unis partagées avec Mexique. Leader minorité républicaine dans le Sénat États-Unis, Mitch McConnell, a exprimé mécontentement parti l'IA sur dossier. Collègues, nous connaissons nos obligations pour prendre processus ça au sérieux. C'est ça seulement nous prêter à mander. C'est ça l'histoire précédente exigée. Moi, t'encourager tous collègues nous pour prendre en considération sa constitution. Exigé dans ce sens. Sénateur républicain État Texas, Ted Cruz, a abordé question en tout. Position président Sénat a demandé pour sénateur voter vite et pressé, une façon pour éviter argument sur point ça, et bien ça pas bon. Seule façon raisonnable pour résoudre question ça, c'est à travers débat qui prend en considération la loi qui est en vigueur à la Constitution pays. Sous bon paillot, parlementaire démocrate dit à Tikyo, pas un rapport à la Constitution. Sénateur Chuck Schumer, c'est président chambre haute États-Unis. We gave your side nous avons républicain opportunité pour faire débat en public. C'est là ça doit faire. Et vous pas d'accord. N'avancez plus devant. We are moving forward. Chambre des représentants États-Unis a voté avec une majorité tout mince en faveur mise en accusation secrétaire de sécurité territoriale Alejandro Mayorkas. Député républicain a été plaint pour dire Mayorkas de refuser d'appliquer la loi immigration États-Unis. Du moins c'est ça a révélé la mise en accusation. Pendant ce temps, Mayorkas dit a centré attention sur le travail département y a fait dans le domaine immigration. Serge Rodriguez, VOA Creole. Washington. Et puis quand on a la région Moyen-Orient qui c'est une région qui très chaude dans l'actualité internationale là, c'est comme ça les États-Unis même l'annoncer nouveaux sanctions contre Iran qui ciblait secrétaire économique à programme drone régime là. Et Jean-Robert Philippe et sanctions ça y a un rapport avec attaque que Iran fait samedi qui se passait là, samedi pour dimanche contre Israël là. Effectivement, Jacques, je dis la dernière décision ça a montré que Iran prend un veto avec la communauté internationale là, après l'attaque qu'elle a faite sur Israël samedi passé. Là. En plus des États-Unis, il y a tout la Grande-Bretagne qui peut coller tout dans un effort pour mettre des sanctions sur l'Iran. Il y a tout l'Union européenne qui lui-même tout, qui est envisagé pour mettre des sanctions tout sur l'Iran sur ces questions-là. Et le département de commerce américain lui-même a annoncé non. L'autre annonce fait que lui-même a imposé des sanctions tout contre l'Iran, mais dans un niveau de technologie qui n'est pas trop élevé. Ça veut dire que l'autorité iranienne est même capable, il y a possibilité pour être capable de réévaluer encore les programmes et missiles nucléaires. Jean-Ruslav Vladimir Poutine m'a départi qui est en conflit dans le Moyen-Orient pour éviter prendre action qui est capable de déboucher sur une nouvelle confrontation et puis éviter des conséquences graves dans la région. Porte-parole Kremlin Dmitry Peskov, pas de répondre à une question pour qu'on ait si oui ou non la Russie a supporté l'Iran tant que Bali, assistance technique militaire, si au cas a gagné un conflit direct avec Israël. Monsieur Peskov, parlez-vous dit, si n'a pas parlé de conflit direct entre Israël avec l'Iran, moi n'est pas capable de qualifier le conflit actuel comme indirect. Les consulats ont pays détruit, eh bien il est capable, difficile pour qualifier comme un conflit indirect. Sous question pour qu'on ait si oui ou non Téhéran t'a averti la Russie avant l'attaque samedi sur Israël, porte-parole n'a pas de lui faire aucun commentaire sur question. Mais il a ajouté, nous pas même voulu parler sur escalation conflit. Des côtes intérêts Israël, Iran avec région en général. Fédération russe là, était en contact serré, constructif avec Iran, même Jean n'a fait avec Israël. N'a mené un dialogue sur nécessité pour désescalader situation. Nous demandons à tout pays dans la région pour être loin du conflit. Well, look, it's right to be in here in Israel today to show solidarity after that appalling attack by Iran. We made clear. Bon, on parle ministre des Affaires étrangères britannique, David Cameron, qui a parlé avec les journalistes dans Jérusalem, déclaré mercredi 17 avril là, dit clair, Israël a pris une décision pour lui agir en réponse à l'attaque drone avec missiles balistiques Iran a lancé week-end passé contre Israël. Chef diplomatie britannique là, dit qu'il espérait attaque Israël a capable faire une façon pour conflit à pas dégénérer. Tension a augmenté dans le Moyen-Orient depuis Israël a commencé l'opération militaire dans le territoire Gaza dans le mois d'octobre 2023.
État hébreu avec allié le tant États-Unis pas jamais suspend en bouche l'ouvrir non seulement avec Iran mais tout avec groupe allié dans Liban, Syrie et Yémen. Département Trésor américain beaucoup de parle annoncé jeudi 18 avril là nouveaux sanctions qui ciblent dégradé et puis déranger programme drone iranien qui visait civils en Israël. Décision ça prend en réponse avec dernier attaque aérien contre Israël. L'administration Biden a utilisé sanctions économiques au lieu de sanctions militaires contre le régime iranien. Jean-Aubert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Aubert Philippe. Il y a un analyste qui dit que Embegan pile dans pays d'un côté que on prend sanction contre compagnie et ben même pas même sous juridiction américaine. Yon l'autre point d'actualité a pour un zam bandi t'a utilisé pour simer la troubaille dans population pays Pérou et ben autorité ont transformé zam yo te saisi pour année 2023 pour faire parc public avec gymnasium pour citoyens paisibio. Gentil Augustin Junior. Autorité dans pays Pérou transformé métal qui sorti dans plusieurs milliers d'âmes yo te saisi pour faire un parc public ak yon gymnasium dans Cible Lima pour prendre l'autre direction dans bataille contre insécurité. Espérer que moun yo pral servi ak parc là bien. Parc là te fait ak zam que yo te fond après yo te fin saisi yo nan main criminel yo. Nous espérer que ça pral aider diminuer crime et puis faire parc là pi en sécurité. Autorité yo fait konnen yo te fond plus passer 6000 âmes pour y balancine ak machine pou fè exercice avec zam ke bandi yo te kon itilize pou si mè la troublay nan mitan population. Yo te atake et intimide moun isit la toutan, mèm si genyon l'école ki tout près. Mwen pense ke li ta bon pou yo bay zam yo kon itilize pou fè krim yo, yon lot alternatif. Julio Peña, ki se yon résident ki kontan pou initiative sa, fè konnen si zam sa yo pa detui, y ap retounen nan men bandi yo anko pou yo kontinye kreye problème nan mitan citoyen paisib yo. Si zam yo pa detui, criminel yo pral continuer servi ak yo. Et puis à long terme, problème nan pa rezoud. Tout zam yo saisi yo, yo dwe detui. Ça, c'est seule façon pour empêcher zam yo al tombe nan men l'autre criminel yo. Ayer mercredi 17 avril 2024 la, Timoun ak Gramoun te capable jwi nouveau équipement nan quartier San Juan de Miraflores, yon nan zone ki pi affecté par violence nan province Lima. Dans l'année 2023, Pérou a détruit plus de 21 000 âmes, yo a saisi dans tout le pays. D'après l'autorité, yo a bâti deux lots de dans Lima et les âmes yo détruit l'année passée. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis, jeudi, c'est jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause Femme. Et bien, Sandra Lemaire a présenté nous une jeune joueuse basketball qui soulevait en pile attention, en pile sensation ici aux États-Unis. Joueuse basket universitaire Caitlin Clark, ses nouveaux chouchous, Ligue professionnelle basketball femme États-Unis, WNBA, WNBA. Mamzelle soutient numéro 1 dans le tirage au sort qui est fait chaque année pour choisir nouveau joueur. Caitlin jouait pour l'équipe Université Iowa. C'est l'équipe professionnelle Indiana Fever qui était choisie pour venir jouer pour lui. Mamzelle dit qu'il était rêvé de moment ça depuis qu'il était dans l'école primaire. Le dit mkwè pi gwo bagay lan, c'est que WNBA a très compétitif koun ya. Chaque fois ou ap joué nan match gen rival, gen an pile équipe qui chargé ak talent. Contrat professionnel Caitlin Clark là valable pour 4 ans et il vaut au total $338,056 d'après document WNBA publié. Ça veut dire qu'il va toucher $76,535 en 2024, $76,066 en 2025, $85,873 en 2026 et puis $97,582 en 2027 s'il décide de continuer à jouer pour Indiana Fever. Comparativement, choix numéro 1 Ligue nationale professionnelle messieurs yo NBA a Victor Wembanyama que équipe San Antonio Spurs choisit remporté un contrat $55 million pour 4 ans. Première année avec équipe là, il était entré $12,100,000 d'après Sporttrack qui c'est une compagnie qui traque contrat athlète yo. Gros différence ça dans salaire mesdames yo ak messieurs yo soulevé gros palais en pile ici aux États-Unis. J'ai tout le monde te braqué sous Caitlin Clark pendant le championnat basketball universitaire américain NCAA que l'Américain y aurait les March Madness, Folie Masla. Équipe Caitlin est arrivée dans la finale là, 7 avril, mais il était perdu devant Caroline du Sud, 75-60. Match final, mesdames, il était attiré chiffre record téléspectateurs, à savoir 18 900 000 monde, qui c'est plus parce que quantité qui était gagné match final, messieurs. Yo. Pendant les dernières 15 minutes, match là, gagné 24 100 000 monde qui t'a
ap suiv. Mamzel pa kite pale an pilyo dekouraje. Li di li te kontan jwi moman seleksyon li avèk fami li ak moun ki te toujou apuye l e li pare pou jwi. The most competitive league in the entire world, less than 144 spots. So, li di se lig ki pi kompetitif nan mond lan, gen mwen ske 144 joueuses. Donc, faut que jouer bien chaque soir et c'est exactement ça moi pas le faire. Mais c'est exactement ça moi t'ai fait pendant carrière universitaire moi, quel que soit qui est ce qui était opposant, moi t'ai toujours pari et même genre avec même chaleur, même énergie. Moi quoi c'est pigou à tout moi gagner. Nan moment m'a tant mes carrière moi dans WNBA. En attendant, marchandises qui pote nos mamzelles déjà à vendre coupe à tes chaud. Pour Cause et Femmes, moi c'est Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, merci Sandra. Et puis, mes amis, Bayern de Munich contre Real Madrid et puis Dortmund contre Paris Saint-Germain, c'est quart de finale. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. Non? Merci Franklin, merci Fred Kaimit, Jean-Marc Viabella, Gentil Augustin Junior. L'autre information que nous portons pour, eh bien, nous parler directement dans la compagnie aérienne, même qui a annoncé que vol même pour le reprendre dans le mois de mai qui vient là sous pays d'Haïti. Après, même avez fini de faire tout vol sous Haïti dans le commencement mois de mars 2024 là, à cause de l'insécurité avec quelques compagnies aériennes, vous même fait connaître. AEGD qui était 18 avril 2024 là, que vous même avez gagné vol sous Haïti, eh bien, c'est dans le mois de mai 2024 qui vient là. D'après ça, journal Miami Herald même qui c'est un journal américain et bien il fait qu'on est American Airlines avec JetBlue et bien eux même c'est des nan compagnie ça eux même qui pensaient retourner dans vol pour Haïti qui donc American Airlines même il a annoncé depuis qu'on y a la vol par eux même yo ka reprendre pi bonnet des mec qui vinn là pendant ça et bien JetBlue même yo dit yo pensait que eux même yo toujours après prendre vol yo entre Port-au-Prince avec aéroport international Fort Lauderdale et bien avec John Kennedy et bien c'est juste 15 mai 2024 cap vini là qui donc information rien a continué là d'après ça yo même yo mentionné pour ça qui concerne compagnie Spirit Airlines même yo fait connaître tout yo même activité pareil yo poukou ap repann et bien nan pays d'Haïti pou li la yo poukou bay lè yo même ça veut dire y a tant tout bagay ta fin OK à 100% pour yo reprendre. De l'autre côté, journal la souligné département d'état américain yo même yo té annoncé que yo pas traité aucun dossier qui gen rapport ak visa nan moment ça yo là, mais yo fait quoi que gen des moyens pour yo ta fait ça. Et bien premier ça yo dit a c'est seulement si ta gen urgence pour la vie ou bien la mort, mais même dans cas ça tout et bien faut candidat yo même yo ta bay preuve pour j'ai voyage et bien l'autre moyen lui même c'est pour candidat yo même yo ta voyager pour aller dans un autre pays pour faire demande là ou bien dans un consulat qui dans ambassade américaine qui donc sous ta besoin faire une demande voyage là pour ta rentrer dans pays les États-Unis et bien li pas aussi facile pour dans moment ça parce que ambassade la fermé mais ambassade d'affaires qu'on est haïtien qui a vive en Haïti yo même yo capable faire demande visa américain dans un autre pays qui donc si un haïtien ou besoin yon visa américain nan moment là li capable aller nan yon ambassade ou soit consulat américain ki nan yon l'autre pays et bien ki pa Haïti pour li faire demande là et bien la mandé pour yon même yon transférer dossier li nan ambassade États-Unis ki Port-au-Prince là faut haïtien sa capable aller légalement nan pays ki li même la faire demande li a et bien li supposé en mesi tout pour li rete nan pays a jusqu'à ce que demande li a fin traité li doit prouver que li pas Haïti nan moment d'après yon l'autre ou bien d'après un porte-parole pardon d'état américain li même document ça ta doit traduit en anglais si ou pas parler anglais ou a besoin yon interprète pour traduire pour li la dossier ou continuer plus compliqué nan dossier qui gen pour avec moun ki ta vle kite pays d'Haïti ki donc sou pas montrer gros preuve et même l'autre a fait tout démarche ça li même li capable paraît difficile pour ça fait et bien yon moun k'ap défend nan li même li doit avant tout bagay écrit ambassade ou bien consulat américain pays livré allemand des visa pour eux même transférer demande là vinn ambassade la Port-au-Prince mes amis bagay yo en pile bagay yo pa piti même nan jan pays a li même li vinn ap marché là nan dossier insécurité a cap ravager en pile côté là et bien sous pas fait partie Guy Philippe c'est tout département centre pays a des bois passer dans zone ça c'est vivre Guy Philippe ou c'est m'entendre y a relé
information qui pas fait en pile monde content et majorité haïtien tout c'est lui même il a prend pile monde trouvé nèg yo trahi peuple la camper même les Guy Philippe lui même il était impliqué dans n'importe sale impliqué dans pays là c'est peuple là qui mandé Guy Philippe yo ta supposé bail peuple là Guy Philippe pour moment là pas gain dossier qui gain pour avec dossier constitution sinon que c'est bail peuple là ça peuple là lui même lui mandé ya et bien nèg yo a gouves en lè yo empêché bay peuple la Guy Philippe malgré peuple la mandé il y a met dossier il a fait ceci là et majorité nèg qui fait partie conseil présidentiel là et yo te gagné là-dedans yo qui te sénateur qui passé dans pays déjà qui pas quitté en rien qui bon mais yo même yo simplement là pour yo faire ça yo t'a voulu faire l'autre information toujours sur pays d'Haïti et bien n'a faut qu'on est pour Delson 6 lui même pouvoir en place là lui même li té toujours montré mépris li pour souffrance population qui ba un secret pour pièce monde et bien dans une interview qu'il té bay journée qui té jeudi 18 avril 2024 là représentant membre instance suivi protocole 17 octobre là qui c'est Delson 6 lui même li té bay et bien li dit gouvernement en place là pas jamais prend souffrance peuple là au sérieux journée jeudi là nous constater yon insécurité tête chargée qui va le terrain côté c'est chaque jour plus et bien bandi exam yo même y a prend territoire c'est plus vide institutionnel à constitutionnel cap gagné ça qui la cause diverses institutions qui obligé fermer pour trahio et bien tant que l'église l'hôpital l'école université yo même yo pas ka fonctionner dans zone métropolitaine nan Port-au-Prince et bien niveau insécurité niveau vide institutionnel avec constitutionnel yo ces situations qui contribuent en gros nan instabilité politique chronique que nous-mêmes nous gagnons journée jodi à la côté peuple là dans situation la vive très mal à cause des bandits exam qui prend contrôle presque tout espace c'est ça Delson 6 lui-même lui fait connaître représentant instance suivi protocole là lui-même il était continuer pour ajouter gouvernement était toujours manifesté mépris lui était toujours montré il pas gain volonté pour aborder problème qui était là yo et bien après applaudir PM Ariel Henry bien régime troisième version montré incompétence li côté yon dividal moun obligé à courir quitter caillou yo même pour bandi exam zak viol déchoucage boule caill passis ban fait dans capitale là avec dans quelques provinces dans pays a c'est plus moun dans classe moyenne qui victime zak sa yo c'est véritable constat représentant parti politique là li même li fait connait dans situation crise et bien multimidationnel ça et bien résolution crise là li même li doué d'abord dans résoudre dimension crise politique là li clé pour nous pas gain référence légale ni nous doit passer d'abord dans résoudre dimension crise politique ça les mêmes et bien constitution pour crise atypique ça nous pas dans une vacances présidentielle qui donc nous doit passer à travers une dynamique politique pour nous résoudre ça qui gain là pourtant nous gain un gouvernement démissionné qui a préparé les mêmes pour passer la mayotte la baillon accord politique et puis société civile là sous chapeau un conseil présidentiel transition ça a doit permettre société sortir tête les mêmes dans crise insécurité et puis organiser élection libre avec démocratique pour Delson 6 accord politique qui joigne mitan acteur yo li même ki gen yon série de priorités parmi yo ki c'est sécurité a yo prévoit organiser yon conseil national sécurité pour réfléchir sous stratégie nan niveau ki pi ou yo et bien yon niveau technique ak opérationnel sa pral la police avec l'armée qui pral occuper ça qui donc sur l'autre bord divers militants avec organisation politique contester décision ça lui même qui te fait croire que c'est dans mitan conseil présidentiel transition a acté qui te signé accord avant eux même cap gain pour former cabinet ministériel là dans démocratie nous pas chambre ka joine yon consensus tout monde mette yo d'accord et bien sur toute bagaille mais nous besoin yon consensus qui gain représentatif c'est ça politologue Nelson Sis lui-même il était continuer pour le dire bien pour finir conseil présidentiel transition lui-même contrairement avec sa monde a dit pral gagner yon budget qui là pour lui et bien ça pral budget qui pral servir budget fonctionnement li et bien nous était quoi cap gain pour lui prendre
en compte budget actuel là les mêmes avoué Delson 6. Pourquoi il est là conseil présidentiel là fait parler en pile mais pour en pile monde yo même yo parlé tant de parler des conseils ici là si tout gagne nèg qui t'assemblé gagne parole déchaï qui a parlé sur yo nèg yo même yo pas remettre aucun pièce qui donc pas gagne pièce qui te remettre vrai pour nèg yo même yo t'es capable voir si yo capable faire partie et ben conseil ici là mais ça qui pral paraître vraiment bizarre là c'est que en pile dans nèg ça ou pas Haïti comment yo va l'installer c'est gros question en pile monde yo même y a posé dans mouvement ça yo là divers parlementaires dans pays les États-Unis bien yo mandé pour administration Biden dans les mêmes policiers suspend avec déportation haïtien yo même en Haïti et bien qu'a vivre crise ça et bien sans précédent et bien hier j'ai dit que le 18 avril 2024 là sénateur Elizabeth avec député Yvette Clark les mêmes yo dit yo fait appel avec conscience président Joe Biden lui-même pour façon situation et bien a détérioré dans pays d'Haïti là et bien yo mandé administration Biden là au lieu de déportation et bien pour prolonger programme TPS là lui-même pour ressortissant haïtien en façon pour capable comment haïtien même yo capable vinn légal plus dans pays les États-Unis qui donc grand pile haïtien qui gagne TPS là et bien député ça même yo mandé pour Biden lui-même l'état prolonger et pour suspendre avec déportation. Déportation c'est là lui-même qui pas paraît bien du tout pour haïtien aussi tout Haïti qui déjà a connait un mauvais moment dans dernier jour ça là et bien li pas paraît vraiment dans avantage pour continuer à déporter haïtien qui a vivre dans pays si là yo même pour venir vivre ça qu'a vivre en Haïti là et Haïti bagay yo pas bon di tout là dans dernier jour ça yo côté nèg examen yo continuer à prendre territoire pourquoi il est là rentré sud Port-au-Prince là lui même li complètement perdu Mariani tombé Kafou tombé Kafou fait tomber Mati santé déjà yo doit chargé et bien pourquoi il est là Port-au-Prince lui même bon pas gain Port-au-Prince qui était sinon champ de masse avec Pétionville c'est ça nous qu'a dit qui en zone mo plus ou moins dans capitale là parce que majorité zone yo déjà sous contrôle bandit ça bandit pas prend et bien yo même yo toujours gain yo qui pas trop loin à prendre malgré tout toya ça yo bien conseil présidentiel là arrêté qui nommé conseil présidentiel là lui même il défini publié dans journal officiel pays à les moniteurs et bien pas gain date qui communiqué pour installation conseil ici là lui même il t'a dû fait dans palais national en pile personnalité population haïtien yo même y a posé tête question sous conseil ça ou bien comment ça il a lui-même li pral installer dans palais et bien sous champ de masse qui tournait yon champ de bataille entre la police nationale avec bandi examen même qui ba tête yo non qui relé vivre ensemble m'a dit qui était 16 avril 2024 la gouvernement démissionnaire lui-même il était finalement publié dans journal officiel Le Moniteur arrêté qui nomme 9 membres conseil présidentiel là et bien ils ont arrêté communauté internationale là si tout CARICOM même dans tête tap tant takou Tèchech li même qui aptan la pli, et bien conseil ça li même l'ita doué remplacer gouvernement premier ministre Ariel Henry li même l'ita dirige de prix après l'an mot ancien président pays li même qui c'était Jovenel Moïse. Si aucune date pour qu'on a publié sous installation conseil présidentiel transition, et bien membre conseil là lui-même lui commence chita parler avec quelques responsables en dedans pays pour qu'on ait qui pi bon façon yo capable procéder installation yo semaine qui a vini là qui donc hier qui était jeudi 18 avril 2024 là membre conseil ça a été parlé côté yo était rencontré avec PM intérimaire qui c'est Michel Patrick Boisvert lui-même qui responsable pays pendant Ariel Henry lui-même était campé Dionnet avec directeur général la police là qui c'est France LB et bien en résidence officielle là qui dans Mizoa et bien dans rencontre ça concerné yo même yo té parler sous comment yo même yo capable rétablir sécurité sur territoire national là et puis comment yo même yo pral faire pour yo capable faire installation conseil ici malgré en pile haïtien toujours kembe même proverbe créole qui dit mené ou lève la l'école c'est une felchita c'est dia et bien c'est comme ça quelques personnalités haïtien yo même yo wè installation conseil présidentiel là dans palais national compatriote ça yo même yo avancé comme argument gang yo occupé yon bon parti dans capitale Port-au-Prince là et bien mettez sous ça bandi examen yo même yo occupé tout l'hôpital général côté yo fait cachette pour tirer dans direction palais et bien sous chan masse et bien pour personnalité ça yo même yo pas ouais comment conseil là li pral installer en bas gros coup de balle nèg vivre ensemble yo même yo décidé qui occupe palais national et bien depuis quelques jours là pendant ça et bien yon commission gétan sous pied avec planifier installation conseil présidentiel là et bien
avec transmission pouvoir, est-ce que vivre ensemble a capable de bloquer l'installation du conseil présidentiel là dans le palais national? Et bien c'est une grosse question qu'a posé, mais pourquoi les là nèg vivre ensemble yo paraît vraiment actif côté yo pas lâché zone qui tout préparé a toujours gagné gros brigandage qu'a fait dans zone si là yo même. Est-ce que c'est intention rien pour ta prendre par les national? Et bien c'est gros question qu'a posé, ou bien si ou ta prendre tout ça ou pas ça le fait là-dedans. Est-ce que ou gen moun pa yo ta vle al meti chita nan parler a? Nous pou konnen mais yo même yo pas lâché zone qui gen pour avec parler national là. Dit tout c'est matin midi soir nèg ça temps en temps yo fait offensive sous parler national. Parti petite de sa ligne qui gen en tête li Moïse Jean-Charles qui te font bon temps. Silence après lui-même li ta fin trahi qui donc trahi pour un pile monde yo dit li trahi Guy Philippe pour l'autre monde tout yo dit li trahi peuple haïtien qui donc bataille là c'était une bataille peuple après Guy Philippe lui-même était fin lancer révolution côté tout haïtien yo tap dormi c'est Guy Philippe qui saute dans pays les États-Unis dans prison malgré le dit c'est kidnappé yo kidnappé mais finalement nous pas rentrer trop dans dossier ça mais c'est Guy Philippe qui était fin lancer révolution côté moi Jean-Charles te rentre en balle et bien quelques temps après yo te fin créer un conseil trois membres jour qui était mars 2024 là et ben Moïse Jean-Charles il t'a pas trahi et pour pile monde qui dit il trahi Moïse il trahi Guy Philippe pardon et l'autre qui dit c'est peuple haïtien ou bien c'est bataille peuple là que Moïse Jean-Charles lui-même il trahi et ben petite Dessaline lui-même parle Moïse Jean-Charles t'a parlé avant et temps en temps tourner là n'a fait tweet quand il fait qu'on est petite Dessaline pas rentrer dans conseil pour pouvoir nous rentrer pour nous défendre intérêt peuple là et ben qui donc nous pas candidat pour poste président vote nous c'est pour candidat qui plus proche peuple là et bien sénateur Gilles avec les blancs c'est ça moi Jean-Charles lui même lui fait connait pourquoi il est là il tourne là dans dossier cap tweet fait tweet matin midi soir mais en pile monde là il déjà en bâti moi il pas prendre moi trop au sérieux Jean lui même lui était capable yé nan tan avant on a rappelé c'est une politicien qui connait mettre plus monde dans la rue mais pourquoi il est là moi pédi un bon capacité dans ça lui-même li te gagné programme Biden nan et bien pile parler qu'a fait sous programme Biden nan gen moun ki ven ni c'est un avantage gen l'autre tout ki ven ni c'est un désavantage et bien programme Biden nan nan option pour haïtien yo même yo avantage back avec moustache pour États-Unis premier parti a pour qui raison moun appliquer pour programme Biden nan motivation en pile citoyen qui appliquer pour programme Biden nan paraît évident par rapport avec tableau tête en bas politique avec société pays a dans conjoncti n'a vive là qui donc nation a fait face avec yon guérilla bandi presque tout moun prend dans yon tout bouillon et bien insécurité tout partout violence tout gens a valé terrain qui donc dans pays d'Haïti ministre la justice la fait connait officiellement et bien gain territoire qui perdit la mea et bien suppose la police plusieurs fois qu'on fait effort brave et bien danger tout et bien perdit membre dans bataille ici là avec gang yo mais lui-même li impuissant et bien des deux bras balancés et bien contre bandi sanguiné ça yo même qu'est sauté matin midi soir dans pays a et bien pays a tout des fois li lok ti cric ti crac et bien la viche avec la misère et bien clo a galopé et bien l'école a fermé porte yo et bien l'avenir jeune yo même yo sous la graba dans pays ici là qui avantage gouvernement américain gagné dans programme Biden. Nous pensons qu'il y a trois avantages qui sont plus importants. Premier avantage pour programme Biden, c'est fait pourcentage immigration illégale là baisser dans pays les États-Unis qui donc parole là les mêmes c'est un programme qui a commencé depuis en 1952 et il bail officiel américain pouvoir pour accueillir immigrants qui pas un visa régulier pour rentrer dans pays les États-Unis. Deuxième avantage là c'est augmentation travailler sous marché économique pays ici là. Troisième avantage là les mêmes il s'est fait États-Unis joindre un rendement qui donc c'est rendement qui rejoint dans dossier économique pays et puis rapide dans production travail immigrant yo même gain immigrant qui vini avec toute connaissance et puis
expertise yo et bien États-Unis bénéficier éducation talent avec force travail moun sa yo sans li pas besoin dépenser pour ça qui donc si ou te vini avec tout profession nan pays États-Unis ou pas yon moun ki tal prend l'école là là et bien yo pas dépenser nan ou sinon yo pral bénéficier de ou de ça te connaît nan pays ou si tout nous même nan pays nous pays Venezuela qui donc ça yo pas gè tranquillité là dedans du tout et bien moun sa yo c'est moun ki te gagné côté l'état pays sa yo ta dépenser dans connaissance yo et bien qui est-ce qui vient bénéfice là c'est ta pays les États-Unis côté ou pas dépenser rien pour ça en même temps tout n'a éduquer avec former dans un petit temps coûte et bien qui pas gain métier et bien États-Unis a bénéficié rapidement nan bay opportunité travail qui a augmenté produit national brut là qui donc qui correspond avec production nationale richesse pays richesse ça les mêmes li ka défini par profit total qui réalisé dans tout business avec travail nan pays ici là augmentation travail veut dit tout augmentation taxe l'état relevé sous toute marchandise avec transaction financière qui fait dans pays c'est là qui donc l'état américain vient rentrer plus taxes augmenter budget national li ça qui permet gain plus l'argent pour investir dans pays à lui-même pour capable développer puis plus investir dans éducation pour tout citoyen investi dans sécurité investi dans technologie investi dans kembe si primati quel il a pays a pas perdu malgré tout les bénéfices pour nous mais même si pas perdu a fait les a prend immigrant qui donc l'on rentre dans quel que soit pays ou rive sous la terre ou al travail l'autre travail ou paye taxe ou fait même transfert pour voir bay femme qui bon pour nous tout yo même yo rentre qui donc pays ou les ou porte prend ou pas perdu ou même ou joine bénéfice pour yo même yo joine bénéfice pas yo tout pour un pile monde qui pas connaît qui donc c'est pas pour seulement malgré ou maltraité nous même citoyens ici les nous rive dans pays ou nous immigré mais nous pas seulement à le faire bien pour tête nous sinon nous fait bien pour propre pays ça tout parce que immédiatement wap travail y a payer taxe wap payer tout ça gain pour wap payer impôt dans pays a et bien li bon pour pays a même temps li bon pour tout mais tout ça qui la cause dans pile haïtien qui pas ta obligé partir mais situation insécurité qui mal côté de pour Haïti comme si jou pas compter ou pas gain l'air ou pas gain un monde nèg la capacité le ba ou un jour clou pas ka dit m'a prendre l'état parce que système pays nous là dans dernier les ça là si tout monde qui vive dans capitale Port-au-Prince et bien nèg exam yo même yo paraît plus puissant que la police donc nèg yo c'est côté yo rentre ayen nèg yo rive carrefour yo prend policier yo mari policier et bien yo touye ça yo les ça yo te kembe après c'est yo même propre volonté yo qui la guio qui donc pays à les mêmes li bay côté pour en pile jeune obligé à courir quitter par rapport avec côté nous perdit contrôle en bas un bon politicien sanguiné qui pas ouais pays à avant tout c'est intérêt pas ouais ça qui la cause pays à l'arrivée côté l'arrivée à là et bien chaque jour qu'a passé jeune yo même yo continue à quitter pays à pour y aller chercher la vie mieux dans pays étranger malgré c'est pas bon traitement plus bon que ça en pile dans pays ça même si tout l'or c'est noir ou là-dedans aussi bizarre raciste là souvent mais les mêmes pays nous obligés mettez nous dans une circonstance pour nous obliger à immigrer matin midi soir dans l'autre pays pour aller chercher opportunité qui mieux. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn nan pi meye façon que ou ka fait ou capable faire senti travail n'a fait arriver sur vous c'est le ou quitter yon like sur vidéo a et le abonner avec channel là tout pas oublier activer ti cloche notification mettre le sous toute yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous porter yon nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo a avec yon ami yon famille yon façon li même pour capable joindre information à tout et comme ça ou aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passée pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a dit au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.